présidentielle 2022, ça y est, c'est passé, c'est acté. Quel est donc maintenant le programme d'Emmanuel Macron pour l'hôpital, pour le monde de la santé, pour nous soignants? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toi et bienvenue du coup dans cette vidéo. Je suis Charlotte, je suis la fondatrice de Charlotte K. J'aide des infirmières et infirmiers à évoluer dans leur métier, à se reconvertir ou à être mieux dans leur métier. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous, puisque tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo où je te parle justement d'évolution de carrière, de reconversion. On parle aussi de développement personnel, de mieux-être. Et tout ça, c'est tout ce que je te donne, tout le contenu que je t'offre, c'est pour justement aider les infirmiers et les infirmiers à trouver leur job idéal ou à trouver leur vie idéal. Si c'est pas fait également, je t'invite à cliquer juste en dessous dans la description pour télécharger mon guide offert pour t'aider justement dans ce premier pas vers ton job idéal, à y voir un peu plus clair, à répondre aux quelques questions que tu te poses et à commencer aussi à poser un plan d'action. Donc aujourd'hui, on va parler politique, on va parler présidentielle 2022 et on va comprendre quelles sont les forces et quelles sont les faiblesses du programme d'Emmanuel Macron pour notre système de santé et pour nous, infirmières et infirmiers. Donc pour commencer, je vais te parler des trois avantages, trois forces que j'ai pu relever dans ce programme. Et on parlera aussi juste après des trois inconvénients aussi que j'ai trouvés dans son programme. Donc pour commencer avec ces forces, on prévoit apparemment d'augmenter le nombre d'infirmières et AS dans les EHPAD, donc plus 50 000 IDE plus AS dans les 5 prochaines années, donc ça fait 10 000 infirmières plus aides-soignants par an en plus, donc dans les EHPAD. Donc c'est bien, donc on voit aussi que ça va aussi avec l'actualité peut-être, on va pas se mentir, c'est bien, c'est toujours ça de gagner évidemment. On verra un petit peu après les inconvénients un petit peu que je vois derrière ça, mais voilà, c'est déjà un plus. Deuxième chose, Emmanuel Macron prévoit de réduire les charges administratives pour les soignants. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper satisfaisant parce que c'est quand même quelque chose qui commence à être un gros poids et un gros axe majeur de départ des hôpitaux, puisqu'il y avait même du métier d'infirmière, on va pas se mentir, puisqu'il y avait une augmentation de la charge administrative. Après, ce qui manque un petit peu dans ce programme, on va dire, c'est de préciser un petit peu plus, parce que moins de charges administratives, pour moi, c'est pas quantifiable, c'est pas mesurable, même si c'est difficile évidemment dans un programme de proposer quelque chose de très quantifiable et mesurable. Donc voilà, j'espère qu'il y aura vraiment quelque chose de concret qui sera fait et qu'on pourra dire oui, en fait, en effet, on a senti dans ces 5 années une réduction du poids administratif pour nous IDE. Troisième point que je vois qui est intéressant, c'est de proposer plus de responsabilités pour les paramédicaux. C'est quelque chose qui est écrit dans son programme, c'est intéressant. De donner plus de responsabilités pour les paramèdes, c'est évidemment intéressant parce que forcément, quand on vient du terrain, et bien on a beaucoup plus de... on a un regard complètement différent sur les choses. Donc évidemment, c'est important de donner plus de responsabilités. Après, ce que je trouve dommage, c'est qu'encore une fois, c'est pas assez précis pour moi. Responsabilité paramédicaux, c'est hyper vaste. Donc en fait, je ne sais pas comment dans 5 ans, je pourrais vous faire une vidéo en vous disant il avait promis ça, il l'a fait, parce que pour moi, c'est pas assez palpable, c'est pas assez concret, c'est pas chiffré. Pour moi, un objectif doit être clair, précis, chiffré, pour qu'on puisse voir le avant-après. Là, on verra le avant dans l'après. Voilà, à voir comment ça va être concrètement. Mais voilà, au moins on voit qu'il y a un désir de donner plus de responsabilités aux paramédicaux. Ce que je vois maintenant comme inconvénient du coup dans son programme, c'est que je ne vois pas d'augmentation de salaire pour les infirmiers, les aides-soignants. Apparemment, le Ségur aura suffi. Les 183 euros nets qu'on aura touchés, qui nous ont permis d'atteindre à peine la moyenne européenne, bah apparemment c'est tout ce qui va... voilà, être pour nous, parce que voilà, il n'y a rien qui est dit en tout cas là-dessus. Certaines sources parlent de revalorisation,
de salaire, mais voilà, pour moi, c'est pas dans le programme, en tout cas, c'est pas inscrit. Il n'y a pas de source sûre qui montre qu'on va être augmenté de 10%, on va être augmenté de temps dans les 5 prochaines années. Donc voilà, pour moi, c'est dommage parce que voilà, grâce entre guillemets au Covid, il y a eu le Ségur. Grâce à ça, on est arrivé à la moyenne européenne. Et pour moi, ça reste quelque chose d'insuffisant et ce ne sera pas assez attractif du coup pour garder les soignants. Donc voilà, petite déception par rapport à ça. Deuxième point également qui est décevant, c'est qu'il n'y a pas de recrutement prévu pour les hôpitaux dans son programme. On parle d'EHPAD, on parle de 50 000 IDEAS pour les EHPAD. Pour moi, l'hôpital public, apparemment, voilà, il n'y a rien qui est prévu de plus, en tout cas dans son programme, encore une fois. Quand on bûche un petit peu et qu'on regarde, on voit pas la continuité en tout cas du recrutement massif pour les hôpitaux. Le Ségur est évidemment très intéressant et c'est déjà un très bon point, mais pour moi ça reste insuffisant et pour moi le recrutement de personnel dans les hôpitaux aurait dû être inscrit dans le programme et non pas en petite ligne dans le Ségur. Pour moi c'est trop dommage, on était en plein dedans en plus après cette pandémie, donc c'est trop dommage de parler des EHPAD, de parler voilà, rapidement de revalorisation des responsabilités et de ne pas dire qu'il y aura un plan massif qui va continuer par rapport au recrutement. Voilà, pour moi c'est un petit peu dommage par rapport à ça. Voilà, on aurait voulu avoir des chiffres, on aurait voulu avoir un plan d'action bien plus précis, donc voilà, c'est un petit peu dommage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des sources sûres avec quelque chose de chiffré, de concret, de précis, qui montre qu'il y aura une amélioration à ce niveau-là, parce que moi personnellement, quand j'ai bûché son programme, je n'ai rien vu, et évidemment c'était un petit peu décevant. Dernier point, c'est par rapport du coup à la gouvernance des hôpitaux. Il veut donner plus de responsabilités aux médecins dans la gouvernance du système de santé. C'est bien, c'est chouette, c'est top pour les médecins, mais c'est vrai qu'on aurait dû mettre aussi des infirmiers. Je pense que par rapport à ça, va falloir qu'on aille le chercher parce qu'on ne nous donnera pas plus de gouvernance et on va pas nous dérouler un tapis rouge. Donc je pense que par rapport à ça, ça va être sûrement l'objet d'une prochaine vidéo où on va se dire « Ok, comment est-ce que nous, on va pouvoir aller chercher cette place de vraie responsabilité, de prise de décision en tant qu'infirmier ?» Parce que manifestement, c'est pas prévu au programme d'Emmanuel Macron. Il veut donner plus de pouvoir aux médecins. Tant mieux pour eux, vraiment tant mieux, parce que ça reste des personnes de terrain, ça reste des professionnels de terrain qui sont au contact des soignants, des patients. Mais voilà, il manque... voilà, il aurait dû avoir médecin et infirmier pour tout ce qui est gouvernance, pour tout ce qui est voilà, idées, nouveaux projets, etc. On devrait être dedans, donc évidemment, on ne donnera pas la place, mais on va aller la chercher, ça, c'est sûr. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas du coup à me dire en commentaire, en toute bienveillance, si tu as plus d'infos, si tu as des sources sûres. Moi, je ne prends pas les informations qui sont pas sûres et fiables à 100%. Pour moi, du coup, ça ne compte pas sinon. Donc, n'hésite pas à me dire voilà, s'il y a d'autres choses que tu as trouvées qui vont nous donner un peu d'espoir pour la suite. N'hésite pas également à partager la vidéo, à me mettre un like et je te dis du coup à demain pour une prochaine vidéo.